Salut mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à ma chaîne. Voilà, si c'est la première fois de tomber sur ma chaîne, je m'appelle Rose Beauty. Voilà, je suis la personne qui fait des astuces naturelles avec ça. Si vous cherchez la chaîne qui faisait des astuces naturelles, je vous assure que vous êtes dans un bon endroit. Et je vous invite de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer chaque fois que je vais poster une vidéo. Voilà, aujourd'hui, je vous amène une vidéo très nécessaire. La vidéo qui va vous sauver la vie. La vidéo qui va vous aider à changer l'apparence. Ou dans votre quartier, on va se demander, c'est elle? C'est elle? Voilà, ça veut dire que vous allez changer, vous allez vous transformer. Voilà, c'est la pommade que je vous ai fait. C'est ça. C'est ça la pommade que je vous ai fait. Je vous ai montré comment réaliser ça. On a réalisé ça avec les ingrédients très efficaces pour l'augmentation des derrière, l'augmentation des fessiers. Voilà, les ingrédients qu'on a utilisés sont très puissants. Très très puissant pour l'augmentation de son derrière. Il contient l'huile de poisson. Vous connaissez les bienfaits de l'huile de poisson dans la peau. Huile de poisson, vous frottez ça et quelque part, l'endroit va commencer à s'ouvrir. Ça ouvre la peau, ça ouvre la chair. Voilà. Et huile de fenugrec que je vous ai mis, huile de fenugrec. C'est valère qui augmente la poitrine et les fessiers. Voilà, je vous ai mis les gouttes d'huile de fenugrec et huile de poisson là que je vous ai parlé. Et la vaseline, mes amours, la vaseline, celle-là, peut vous aider à augmenter la grandeur de vos fessiers. Prenez seulement la vaseline, celle comme ça, chaque matin et massez vos fessiers avec la vaseline. Faites un mois en train d'appliquer ça sur vos fessiers, même sur vos seins. Voilà, je vous assure, la grandeur va augmenter. Vous allez changer les numéros de sous-vêtements. Vous allez changer les numéros de soutien. Mes amours, croyez-moi parce que je suis sûre de ce que je vous dis. Voilà, je ne manque jamais la vaseline dans la maison. Je ne manque jamais l'huile de fenugrec dans la maison. Et je ne manque jamais l'huile de fiche dans la maison. Voilà, c'est pour beaucoup de remédies de l'augmentation de la chair. Voilà. C'est ça, mes amours, je vous ai fait le mélange, je vais vous montrer comment réaliser ça, je vais vous donner l'idée. C'est ce que vous allez prendre, cette pommade ici, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup, juste un tout petit peu comme ça, et vous frottez ça, chauffez sur la main et massez vos fessiers avec chaque jour. Massez et venez et jusqu'ici devant, sur vos cuisses. Et masser avec, vous allez voir comment vous serez comme Edoxie Aho. Voilà, c'est le secret, c'est parmi les secrets de Edoxie Aho. Edoxie Aho masse ses fessiers. Ok, elle masse ses fessiers pour l'augmentation de la chair. C'est là où vous dites qu'elle fait les chirurgies, mais je ne pense pas, ce n'est pas vrai. Et donc, il travaille sur ses fessiers. C'est ça, mes amours. J'espère que vous allez beaucoup aimer la vidéo. Et puis, n'oublie pas de partager cette vidéo. Partagez la vidéo pour que ça aille sauver la vie de beaucoup de filles. Ça aille sauver la vie de beaucoup de femmes qui souffrent des complexes, de manquer les derrière. Voilà, c'est ça, mes amours. Et je vous laisse enjoy avec la vidéo. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram, RoseBeauty712. Et je vous aime beaucoup. Bye bye. Ok, mes amours, voilà, on va commencer notre mélange des ingrédients. Voilà, pour commencer, vous aurez besoin de la vaseline, pétroleum. Laisse-moi vous montrer comment on va utiliser ça. Je suis en train juste de vous donner l'idée de ce que vous allez faire. Vous voyez la quantité de vaseline que je prends. Ça, c'est une cuillerée. Ce n'est pas une cuillère, mais c'est une cuillerée de vaseline. Je mets dans notre bol, comme ça. Voilà, on aura besoin de 4 capsules. Je ne sais pas si je vais appeler ça capsule. Voilà, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Je vais appeler ça capsule. On aura besoin de 4 capsules d'huile de poisson. Voilà, huile de poisson, j'ai eu beaucoup de questions concernant huile de poisson. Huile de poisson que vous voyez là-bas, on a emballé ça comme si c'était les vitamines. Mais ce n'est pas les vitamines. Je veux dire que c'est les nutriments. Et pourquoi j'appelle ça nutriments? Parce qu'on n'écrit pas que c'est vitamine telle. Non. C'est l'huile de
des poissons qu'on a mis dans les qu'on a mis dans les capsules juste pour nourrir les malades. Voilà, si tu es malade et on t'a dit de ne pas manger pendant par exemple 5 jours parce qu'à l'hôpital on dit aux gens de ne pas manger par exemple. Et ce n'est pas facile de survivre sans manger. Les malades vont prendre ça, ils prennent ça comme les médicaments. Après ça, ils seront comme s'ils ont mangé. Donc c'est comme si les malades ont mangé les poissons, ils seront rassasiés, ils n'auront pas faim. Et les gardes malades peuvent s'inquiéter, ils ne mangent pas, mais on a déjà donné la nourriture dans les médicaments. Donc il a pris ça comme, ils prennent ça comme médicament, mais ça nourrit aussi, c'est un nutriment. C'est dans ce sens-là. C'est juste, à l'intérieur, il y a juste huile de poisson. Voilà, avec ses protéines. C'est ça, mes amours. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer encore concernant huile de poisson. Et c'est ce qu'on aura besoin d'avoir. Maintenant, on aura besoin de huile de ricin, voilà, ce qu'on appelle huile de castor. On aura besoin d'une cuillerée de huile de castor. Voilà, on va mettre là-bas. Et puis, on aura besoin de 5 gouttes de huile de fenugrec, hein, qui a les renommées d'augmentation des seins et les fesses. Voilà. Ok, mes chéris, on aura besoin de 4 gouttes. 2, 3, 4. Ça, c'est. On va mélanger ça ensemble. Ça y est, comme ça, on va mettre ça dans un petit conteneur, comme ça. C'est ça. Ok, mes chéris. Et puis, on va garder ça jalousement. C'est comme ça que ça sera. Voilà. Ce qu'il faut faire, laisse-moi vous montrer comment vous allez appliquer ça. Par exemple, ça, c'est les fesses. Ok, ce que vous allez faire, c'est de prendre juste une petite quantité de notre pommade. Comme ça. Et chauffer ça fort. Voilà, moi je vais appliquer ça directement parce que le mélange est très concentré. Voilà, les ingrédients qu'on a utilisés ici, c'est très concentré. Il ne faut pas appliquer beaucoup. Regardez comment ça va hydrater. Vous allez faire les massages des fessiers comme ça. Massage, 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 massage. Voilà, pendant 10 minutes. Donnez-vous le temps de les faire. Voilà, on doit travailler sur son corps. Sinon, on ne va pas arriver dans de bons résultats. Voilà, 10 minutes calmement dans la salle de bain, avec joie, avec positivité. Vous les massez, vous massez chaque jour avant d'aller au lit, chaque jour. Et si vous avez le temps, le matin, avant de sortir, massez-vous les fessiers comme ça. Massez-vous ça comme ça. Vous pouvez le faire même 2 fois par jour. Ça dépend de quand vous avez le temps. Et puis, mes amours, vous allez tirer les photos avant l'application de notre pommade. Et après l'application, mes amours, vous allez changer les numéros de sous-vêtements que vous portez. Parce que, je vous assure, vous allez augmenter la grandeur des derrière. Ça sera vraiment très remarquable, mes amours.
Donc, c'est ça. C'est ça, mes chéris. Faites ça, faites ça, faites ça. Voilà, faites ça chaque jour. Et ne vous en faites pas, vous avez le temps. Faites ça les matins et soirs. Et vous allez voir la différence des fessiers, comment ça va augmenter. La grandeur naturellement sans chirurgie, voilà. C'est ce qu'on va faire, mes chéris, chaque jour. Voilà. Ok, mes amours, j'espère que vous allez enjoy avec la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo pour que ça aille soigner et ça aille aider les autres qui ont besoin d'avoir, de grossir l'air derrière. C'est ça. Donc, je vous laisse enjoy. Et je vous aime beaucoup. Bye bye.